Est-ce que tu arrives à lire, toi, Laetitia? Alors, on a qui? Jean. Jean. Et quel âge Pierre. A Jean? Oui, il s'appelait Jean-Pierre, tout à fait. 78 ans. Ici, on a mon portrait à soit 6 ans, soit 5 ans, suivant l'âge que vous avez. D'accord? Et ici, qu'est-ce qui est écrit? Regardez, il n'y a pas de bouche. Qu'est-ce que vous aviez dessiné? Donc avec qui vous avez joué? Avec les personnes âgées. D'accord, à chaque fois... On joue avec les personnes âgées. Tout à fait. On fait le haut. Comme un quoi? Oui, très bien, tu rentres. Parfait. Ensuite, on veut quoi comme lettre? Donc on a le son. Tu descends. Comme un 1. Tu as trop de lumière, Laetitia. Il y a eu d'abord création d'un atelier à Saint-Bernard, jeu, théâtre et médiation. Et puis avec Madame Moretti, on a eu l'idée de créer une permanence médiation à l'école Saint-Bernard, au cours de laquelle les élèves du collège, les collégiens médiateurs, vont médier des conflits entre élèves, donc à l'école Saint-Bernard. Donc la médiation, c'est un processus coopératif qui vise à prévenir ou à résoudre des conflits par l'intermédiaire d'un tiers, qu'on appelle donc un médiateur. Le médiateur qui va faire en sorte d'aider les médiants à trouver la solution à leur propre conflit. Il n'a pas la solution. Le but n'étant pas de réconcilier les personnes, mais au moins de se mettre d'accord sur le désaccord pour que le vivre ensemble puisse être plus harmonieux, en tout cas. Voilà. Donc on approfondit un peu sur nos besoins, nos sentiments. On pense que c'est mieux de faire une médiation avec des personnes qui ont notre âge. C'est la médiation par le père. Donc, parce que des fois, c'est plus facile de parler à des personnes qui ont notre âge, qui nous comprennent, et tout, plutôt que de parler à des personnes plus grandes et qui vont pas forcément comprendre ce qu'on pense. La médiation, c'est vraiment très fort parce que c'est très bien parce que maintenant c'est bien parce qu'avant, on discutait tout le temps avec mes copines, mais ça va mieux maintenant. On découpe les cagettes. La mini-entreprise est scindée en plusieurs services. Service communication, service technique, service financier, service administratif, service technique et... À la tête de ces services, un service direction à deux têtes avec un PDG et un DG. Service financier, récupérer les éventuels dons et l'argent des commandes de la semaine, compléter le journal de caisse et dresser le bilan financier. Service commercial, se rendre au service technique pour dresser un état des besoins en cagette. Je m'appelle Mariama, je suis la PDG de M Ton Pass. Je coordonne les activités à chaque séance et je lis l'ordre du jour. J'ai décidé avec un collègue de monter une première mini-entreprise et j'ai trouvé qu'en termes de compétences, en termes de pédagogie, en termes de savoir-être, de savoir-faire, de connaissances pour les élèves, c'était absolument génial. Dans le service communication. En fait, je dois expliquer chaque visite et tout. Alors moi je suis directeur du service commercial. Je m'appelle Mathieu Jean et je suis le directeur de service technique. Je suis responsable des finances.
Nous sommes le service communication et nous nous chargeons de la publicité pour faire connaître l'entreprise. Je suis la directrice du service administratif. Je présente ma collaboratrice Soraya Mola. La mini-entreprise est vraiment un dispositif pédagogique favorable pour valider les compétences et pour retrouver vraiment l'essence du métier d'enseignant.